YouTube après un petit pissou. Ça y est, de retour sur contrôle. Et on va voir ce que le jeu nous réserve. A priori, c'est rouge là-bas. Donc, vous savez, le rouge. Ok. Ah, chut, chut. Bon, est-ce qu'il y a des trucs? Pourquoi il n'y a rien dans les pièces? Ah! Un dossier. On va pas commencer à lire les dossiers tout de suite, non? Je vais quand même pas commencer une VOD YouTube par un dossier qu'on va lire, quoi. Qui va être chiant comme la pluie. Ah! Des ressources. Je peux pas créer des trucs, tiens. Maintenant qu'on va être au point de contrôle là. On est où alors? On avance, on avance. Les constructions astrales. C'est vrai, il y a les jetons aussi. Rotation. La brisure. Bah ça, j'ai assez de ressources. Ok. Je vais finir par tout avoir. Hein. Ça, bon, là, j'ai pas assez. Hein. Clairement, j'ai pas assez. À gauche ou à droite? Pourquoi il y a du sable? Pourquoi il y a du sable rouge? There was a doorway here, to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? Quoi, y a un truc là? Quoi? Merde, il y avait des ressources. Bon, tant pis. Je vais pas me faire chier quand même à redescendre. Juste pour ça. Il est plus là? The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Mais ils arrêtent pas de le bouger, ce projecteur à la con là. Plein le fion, hein. Hein? Attendez, faut que je vais le regarder là, ça va être plus simple. Attends, il y a une correspondance. À tout le personnel dimensionnel, j'ai entendu de nombreuses personnes se plaindre du sable entassé dans les locaux de recherche dimensionnelle. Ce sable est un matériau de recherche précieux provenant d'une dimension étrangère qui sera examiné plus en détail lorsque nous aurons le temps. Si vous tentez de le nettoyer ou de vous en débarrasser, je vous exclurai de toute future démarche de recherche. Vous passerez le reste de votre carrière à lécher des enveloppes dans un bureau à cloison.
Avec une affiche de chat pour seule compagnie. Laissez mon sable tranquille, docteur Darling. The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars, like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. Il a quand même les oreilles qu'on saignait, quoi. Ça arrive pas tous les jours, hein. Oh là là, tous les petits cubes là. Ah, je pense que c'est important là. Le polyèdre et la résonance polyèdre sont peut-être les meilleurs atouts dont le bureau ait jamais profité. La sécurité du polyèdre est tout simplement capitale. C'est pourquoi nous avons de la majorité des employés du bureau. Ce rapport décrit les procédures obligatoires dans la chambre de confinement du polyèdre, y compris le détail injecté dans la cellule de confinement. La maintenance de la mécanique des siphons de résonance et la disposition des piliers acoustiques utilisés pour affaiblir ou amplifier la gamme sonore dans la chambre. Remarque, un autre rapport est en cours de rédaction. Il décrira les procédures correctes pour opérer les siphons de résonance. Le dossier 731-1830 contient un rapport complet. Le projecteur de diapositive ne fonctionne qu'avec la diapo 36. Logiquement, cela signifie que la diapo est soit une partie de l'objet de pouvoir, soit un objet altéré distinct. Mais évidemment, il a fallu que je vérifie avec le plus de diapos possible. C'était nécessaire, je me suis dit que c'était peut-être une histoire d'émotion, ou de lien, ou d'histoire commune, ou d'amour. Alors j'ai amené les vieilles diapos de mes parents. Fête d'anniversaire, vacances au chute du Niagara, mon premier jour du lycée, ce genre de truc. Il y en avait deux boîtes pleines. J'ai fouillé dans mon garage pendant une heure pour les trouver. Je les ai plus regardées depuis qu'ils sont morts. J'ai tout essayé, j'ai attendu la nuit pour être seul. Je suis resté debout dans cette cabine pendant des heures et je les ai tout essayé. Éteindre le projo, sortir une diapo, en glisser une autre, allumer le projo, rien ne se passe. Éteindre le projo, sortir une diapo, en glisser une autre, allumer le projo, rien ne se passe. L'amour n'est pas le facteur commun. Je n'ai essayé aucune corrélation. Peut-être que l'objet de pouvoir est-elle la diapo elle-même. Peut-être que le projecteur n'est qu'un accessoire. Peut-être que ça n'a aucune importance. Pourquoi ce con de gosse a brûlé toutes les autres diapos? Il parle pas très très sympa de moi quand même, hein. Ah c'est bien, ah, attention, ne faites jamais ça les gens, hein. Ne faites jamais ça. Vous ne mettez pas votre mot de passe sur sur l'écran. Hein. C'est pas bien. Hein. Moi si vous faites ça, je vais être... Je suis bien là? Ah non merde.
Il m'en faut encore un à gauche. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? We built a container for it. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. I remember her from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. Ça, c'est des gros verrous quand même. Hein. Ça, c'est des sacrés verrous. Hein. Est-ce que c'est une référence à... Est-ce que c'était une référence à... Merde, comment ça s'appelle ? Je vais retrouver, hein, vous inquiétez pas. Ça, tu dégages, merci. Ça va pas faire du bien à se prendre le truc dans la tronche. Ça y est, j'ai purifié les siphons. Merde. Attendez, j'ai pas essayé ça encore. Merde. Merde. Ça, il est où? Il est où le truc qui les soigne? Ça, il est là-bas. Merde! Putain, l'enfoiré.
Ok. On va essayer de les tuer. Et là ça monte et il y en a d'autres, ok, on va faire comme ça tous les étages. J'espère qu'il n'y a pas trop d'étages non plus, j'espère que ce soit pas trop répétitif et ni trop chiant. Bon, toi t'es mort. Marche bien ce truc quand même hein. Merde. Merde. Aïe. Putain mais arrête toi. Oh chiasse quoi. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'on soit obligé de les tuer, hein. Je pense qu'on peut juste s'occuper des siphons fonfons. D'accord, hein. Non. Putain, je l'ai vu au dernier moment, j'ai voulu bouger, j'ai pas réussi. Putain, il est chaud celui-là. Hein. Il y a les deux gros là. Ça sauvegarde où? Vraiment? T'es sérieux le jeu?
On a parié pas tout à se retaper depuis le début quoi. Ce qui est plutôt bien vu de leur part quoi. Non, non, non! C'est ouf. Ah, viens m'aider toi. Merci. Oh, je suis tombé. Merde. Bon ça va, je suis pas tombé. Je suis pas tombé dans le vide déjà, c'est plutôt bien. Ah merde, par où je remonte? Voilà. Comment ça? Il y en a un qui est descendu. Genre toi t'es descendu toi. Ça c'est fait. Il nous reste les deux gros relous maintenant. Je suis coincé. Pourquoi je suis coincé? Il y en a encore là. Merde, il y en a encore un là aussi. Ok. A priori, j'ai tout le monde. Oula! Oh, les ressources. Les ressources par milliers, quoi. Ouais. Disons, elle est
Elle est assez vulgaire quand elle veut. Hein. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Est cassé ? The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello, Polaris, are you there? Please. Okay, I'm not stop it. Please. I just want to see. Never. On a vu la vraie actrice. You are worn through time. The thunder song distorts you. Happiness comes. Light curls you. Elle est tellement chelou. Il est tellement chelou ce jeu. Quoi ? Bah, c'est une blague. Narrative lead, leave your insides by the door. Ouais, non, là, c'est clairement, c'est une blague. Baby, 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 yeah. Ouais, non, voilà. Bon, c'est une blague. C'est pas vraiment les crédits. Je m'en doutais un peu. Oh, il est un peu méta, ce jeu, quand même. Hein. Est-ce que le jeu s'attend... Est-ce que j'appuie sur un bouton ? Peut-être. Attendez, il y a moins en moins de trucs là. C'est chelou. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau is the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Wow. Wow. T'as un petit peu pas bien, quoi. Salut Chrisou! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur le jeu le plus chelou de l'univers. Il s'est passé des trucs bizarres. Salut Lamia, bienvenue à toi. Et là, dans le jeu, je distribue du courrier, vous avez vu. C'est mon nouveau boulot, c'est la distribution du courrier. Le jeu est vraiment très intéressant. Hein, Merci beaucoup Lamia pour ton follow. J'ai eu le droit à un faux générique quand même. Coucou, ceci est un raid. Ah bon ? Ok, donc ça c'est fait. Ensuite. Allez, mais où toutes ces tasses à café ? Est-ce que vous savez où elle met toutes les tasses ? Parce que c'est un peu bizarre, non ? Regardez, j'ai encore du courrier. Quoi ? Zut, il m'en manque un. T'étais sur quoi, T'étais sur... De Chrisou. Ah. T'étais sur quoi, Chrisou ?
A Plague Tale, ok, d'accord. Le jeu tout bizarre avec des rats là. Regardez. Je remets du courrier. Qu'est-ce qu'il regarde lui? Je crois que j'ai autre chose à faire, hein. Non? Je speedrun la numérisation. J'ai fini le numérisement. Oh, les tâches ingrates là. Je vous dis bonne soirée à tous, au plaisir de revenir sur un de vos lives. Et bah écoute, n'hésite pas. A priori, on est toujours bien reçu ici, donc voilà. Ouais, je suis sûr. Mais et du coup bah bonne fin de soirée à toi et bonne nuit. Comment ça? Mais y'a... Non, j'ai cru qu'il avait disparu. Je trouve des tasses, c'est ça en fait? Le jeu il veut que je trouve des tasses, c'est sûr. Ah non, c'est quoi? Ah! D'accord, j'ai compris. Et il va pas être occupé. Tu vas au dodo aussi? Bah des bisous Chrisou. Et encore merci beaucoup pour le raid. Merci infiniment. Plein de bisous à toi. Ah mais c'est pas celui qu'on connaît. Chelou. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. You can't find good help these days. Oh, regardez. I've got nothing more for you. Ils vont bien, hein. That'll be all. Tout le monde va bien, hein. Moi je fais mon job, hein. Encore du courrier? Non, pas du courrier encore. Hein. Ah! Y'a Frangin?
Il y a lui qui est pas en forme. Il y a tout le monde qui est pas en forme en fait. Should keep trying. You are getting closer. Ah. I need to go inside. I need to keep moving. I won't let them win. That's how it happened. The hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. This is all inside my head. The hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. I will fight this. I will find a way to push them out. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Pas l'air en forme quand même, hein. I need my gun. The Thundersaw storts you. You're a worm through time. The Thundersaw storts you. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Okay. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Y'a pas une porte secrète là? Ah c'est moi? Ah c'est moi. Pourquoi j'ai plus mon Pourquoi j'ai plus mon costume chelou? Ah 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 ah. Et de 1 et de 2 et de 3. Dead, I can't feel
you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there's something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Ah, ça y est, ils ont pété un plomb. Ah, ils ont pété un plomb. When we met her, maybe you were always there and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Comme moi. Maybe I don't need to. Comme moi, je comprendrai peut-être jamais. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly over the years, his need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Le vice est ici intérieur, toutes les transmissions sont corrompues, déroutées. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids. Merde. To make her see. To save her. Merde. J'ai pas compris. Bonjour, j'ai pas compris. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Bon bah... Je
he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Avancer, non, faut les tuer. Il peut mourir lui. Qu'est-ce que c'est? Je les bute, c'est ça? Ah ouais. Effectivement. Oh! Putain! Tu faisais là toi? Oh là là. Où?
putain. Ça crève toi. Toi là-bas tu m'énerves. Hop là. Youp 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 youp. Non mais meurs. Non mais il veut pas. Merde, y'en a un côté. Ok, je les ai eus. Salut Amorphal, comment tu vas hein? Ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut que je t'envoie un petit message en privé pour savoir comment comment tu vas. J'espère que t'as pas écrit il y a un quart d'heure. j'étais un peu pris. Pas mal occupé mais ça va, ok. Style gameplay contrôle, ouais bah non le gameplay est vraiment chouette hein. C'est en fait à voir. Attendez, j'attends un petit peu. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Hop. Est-ce que c'est le vrai générique là? Que c'est le vrai générique, ouais, a priori. Et ouais, en fait, quand on regarde le jeu, enfin, moi je sais que j'ai eu ce truc là, c'est quand j'ai regardé du gameplay chez d'autres streamers, en fait, je me disais, mais comment ils font pour voler? J'ai rien bité. Ah, mais non, mais moi pareil. Hein. Mais je pense que ça s'adresse vraiment à nous en fait.
Il y a plusieurs trucs dans le jeu qui me font croire que à un moment en fait on la voit l'héroïne en fait on voit l'actrice. Il y a une scène en fait on voit vraiment l'actrice et je pense que ouais il y a un truc qui est vachement méta et donc on a dit vous et moi et ben en fait elle parle de nous le joueur parce que elle a conscience qu'on est là quoi. Je veux pas trop trop m'impliquer là-dedans, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, quoi. Ah, mais on a vu dans le jeu qu'il y avait des liens avec Alan Wake. Enfin, c'est... Donc, le jeu... Mais voilà, moi, dans le gameplay, je disais, mais comment ils font les joueurs pour voler, pour faire du dash et compagnie ? J'arrivais pas trop à comprendre comment ça marchait. Et en fait, une fois manette en main, en fait, ça se fait vraiment, vraiment bien, quoi. Il y avait ça dans The Nomad Souls, le personnage qui s'adresse aux joueurs. Oh là là, tu me parles des... Putain, The Nomad Souls, ça date de quand ? 98 ? 98, 99 ? Non ? Ah, il est super vieux, ce jeu. J'y ai jamais joué. Enfin, si, j'avais joué à la démo. C'est l'époque où il y avait encore des démos dans les CD, dans les magazines de jeux vidéo. Alors après, peut-être que je me plante hein, sur cette théorie de 1999. Ouais. Ouais, tu vois. C'est vachement bien. Bah écoute, faudrait que je le fasse. Un jour. Donc voilà, contrôle, l'histoire principale est finie. Je suis un peu déçu de la fin. Enfin, je suis un peu déçu du... Enfin, en même temps, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pouvaient mettre. Mais je suis un peu déçu du boss de fin, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de boss, quoi. Je pensais qu'on allait affronter notre frère. Et pourquoi il n'y a pas de musique ? Ah mais oui ! J'allais dire pourquoi il n'y a pas de musique ? Parce que je dis, voilà, là c'est la fin du jeu, c'est quand même, normalement un générique de fin, on a de la musique. Il y a une option dans le jeu pour couper les musiques au copyright. Et pour pas se faire striker sa chaîne YouTube ou Twitch. Et donc je pense que normalement là il y a une chanson. Je pense que c'est à ce moment-là normalement qu'il y a une chanson. Mais du coup on ne l'a pas. Dommage. Mais non, le jeu... Ok, je regardais la dédicace. Mais le jeu est vraiment très bien, en fait. Hein. Alors, c'est clair que l'histoire, par contre, c'est... Faut suivre, hein. Faut suivre. Et j'ai lu tous les dossiers que j'ai pu trouver, je les ai lus. Hein. Donc, on peut pas dire que j'ai fait mon feignant et que... Voilà, j'ai pas compris parce que j'ai pas lu, comme ça peut arriver de temps en temps. Mais là, non, j'ai vraiment tout lu. J'ai vraiment tout lu, mais j'ai pas tout compris. Moins concentré en stream, je pense. Non, parce que je pense que, tu vois, la lecture de tout, je pense que je l'aurais pas fait si j'avais été en solo. En solo, à un moment, j'aurais dit, j'en ai marre, on n'apprend rien, je comprends rien au truc. Bon, il y a des coins-coins. Il y a des coins-coins dans le jeu, et ça, déjà... Ça en fait un bon jeu. C'est moins bien les génériques sans la musique quand même. Ah, il y a des gens... Putain, mais il y a combien de monde... Il y a combien de personnes qui ont travaillé sur le jeu, là hein? Plein. Je compte faire quoi après? Les DLC. Voilà. Là, j'ai fait l'histoire principale et après, ça sera le DLC. Enfin, les deux DLC. Et tu parlais quoi tout de suite? Enfin, faire quoi tout de suite maintenant ou après Après, comme jeu comme ça, je commencerai bien les Deus Ex. Alors, je vais pas faire les vieux Deus Ex. Donc, les tout premiers qui sont vraiment très moches. Mais toute la... Il y en a trois, je crois, les Deus Ex, les récents, non? Ou deux? Je sais plus.
C'est pas la vraie fin alors, la fin c'est dans les DLC je pense. Alors oui et non, parce qu'il y a un DLC que je pouvais commencer à faire. Il y a un DLC, il fallait que je fouille la porte, donc j'aurais pu commencer le premier DLC. Par contre, il y en a un où effectivement il se débloque quand tu termines le jeu. Donc effectivement, on va peut-être en apprendre plus dans le deuxième DLC. Effectivement. Ah, les remerciements. Est-ce qu'il y a des trucs rigolos? Est-ce qu'ils ont caché des trucs? Oh, les development babies, quoi. C'est ouf, hein. Les remedy pets. Ah, regardez. C'est toutes les musiques qu'on n'a pas pu entendre. On est bien, hein. Deus Ex Mankind Divided, il était bien même si je l'ai jamais fini. Mais attends, il y en a combien? Il y en a combien? Parce qu'il y a Mankind Divided, il y a Deus Ex Machina, là, je sais plus quoi. Je les ai en plus. Je les ai les jeux, mais je sais plus les noms. Ah. Pam. Fini. Oh! Vous êtes la directrice du bureau fédéral de contrôle. La crise n'est pas terminée, votre travail n'est pas terminé. Oh, regarde! Oh là, cette coupe! Oh non, mais horrible! Hein. Regardez cette coupe de cheveux là! Oh l'horreur! Ah non, 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 hein! On a bien les contre-mesures du comité et d'ailleurs du bureau pour refouler la menace du IS. Fouiller profondeur période. Bah merde, j'ai pas eu le temps de lire. Oh là là. Salut patate tarte. Ah, il y a Human Revolution. Shawshank Redemption. Très très bon film. The movie I was thinking of earlier. Not important, but that was it. C'est l'un de mes films préférés. Le saviez-vous? Ah, et donc maintenant j'ai les deux. Mode d'arme 29 sur 24. Plaît-il? Ah ouais, j'avais vraiment dépassé le... C'était un bug ou pas? C'était un bug? Il y avait un buge. On a déjà parlé d'ailleurs. Je t'avais dit l'ordinateur, c'est Frank Darabont, un créateur de la série The Walking Dead. Ah oh là là, mais... Moi et les noms, hein. Ok. Bien ça. 34. Ah non, j'en ai encore un mieux là. Non, non, celui que j'ai, il est encore mieux. Ok, bon. J'ai le jukebox aussi à faire. Parler au comité. Et dans les... Oh là là, encore plein de trucs. Photographie de la directrice. Oh là là, mais regardez ça. Alors, le projecteur, procédure de confinement. Description par utilité, l'objet est un muni d'un plateau vertical. L'objet créé, voir l'exposé 26.1 du Dr. Darling pour plus d'informations. La seule qui a réussi à produire cet effet a abouti à la capture de, voir l'exposé 26.3 du Dr. Darling pour plus d'informations. Personne n'a pu se lier à cet objet. La par utilité de cet objet ne nécessite pas de s'y lier. Antécédents, beaucoup des qui l'accompagnaient ont été... dossier sur P6, P7 pour plus d'informations. L'intégralité du a été transportée au bureau pour être examinée afin de trouver d'autres ou d'autres matériaux altérés.
Ah oui, non mais d'accord, oui, ok, ça c'est... ok. Quoi? Il est torse nu. Ah ouais. Et comment il est Putain, il est musclé l'enfoiré. Dr. Casper, darling, and this... This is my final message. Putain, comment il est musclé ce con. But after this, I won't... I exposed myself to Hedron Resonance fully. It is... It's changing me. I've seen... shown so much. Slidescape 36 was where Hedron stopped the spread of another. Oh, it's terrifying. It really is. It's another source of resonance. Trench was exposed to this other. It will now spread. I've done everything I can to stop the Hedron Resonance amplifiers. I don't know if it'll make a difference. I won't be here when it happens. I should have told him anymore. I'm being sent one more lesson. Something wonderful, I think. Putain, faut qu'il me file l'adresse de sa salle de sport, lui, hein. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape, the part that we can perceive. I honestly think there's the resonance it emits, the frequencies. We've never seen anything like it. We've built a container for it, and we brought it in. This changes everything. It's beyond our understanding. We have brought so many questions with us through that hole in the wall. I will dedicate... I'm never going home. Ouais, il avait raison là-dessus, quoi, mais... Pas pour les bonnes raisons, quoi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet enfoiré, là ? My reflection trapped in the darkness of the coffee I nurse. The rain turned the lights of the city into a mosaic on the windows. The day's paper lists all the things wrong in the world. The list grows longer by the day. The difference between the morning and the night, coffee, whiskey, no other difference. The alarm goes off at 5 a.m. It feels like I just closed my eyes. It's dark. I sit up on the bed in the gloom. I get up, I shower. The driver waits for me downstairs, takes me to the oldest house. An old man stares at me in the car window. It's raining. It's dark. Late at night, he brings me back here. It's not a home. It's a room where I sleep in.
waking up just as tired as I was before going to bed. Endless grind. Ok. Et le turfu. Le Is est chassé, absent du plan astral. Vous avez surmonté, battu le faux vous. Nous vous aimons, tolérons beaucoup. Vous êtes prête, prise au dépourvu. Pour la suite, nous parlerons à nouveau. Dans le futur, l'expansion. Beau travail, succès directrice. Toujours, toujours très sympa le comité. Hein. Ah non mais par contre faut que j'aille changer ma coupe de cheveux là. Je sais pas s'il y a un truc avec les radios. Il y a plein de radios partout, on peut les allumer. Je sais pas si à un moment ça fait quelque chose ou pas quoi. Northmore? Didn't list any date of death. I heard you close the hiss portal or whatever it is we're calling it. If we could just flush out the stragglers. OK. So, what's next for Simon Arish? Well, first off, I'm banning all slide projectors. That's it. Seriously, though, we need to review our protocols. Research should not be making decisions that endanger the entire Bureau, but fuck it, the entire fucking world, without some serious oversight. I think Pope would agree. Certain people in the Bureau have been working in the shadows for too long. And I'd like to make these HRAs part of the mandatory Bureau uniform. They're not stylish, but better safe than sorry. I don't think anyone will complain. Not after this. What are your thoughts on me serving as director? Well, I couldn't be more excited. I mean, look, don't get me wrong, Trench was fine, but... Well, you pulled us back from the brink, so... Well, I'm honored to serve, man. I mean, fuck, shit. Faden. Sorry. He'll get it one day. So... What's the situation in my bureau, Arish? The situation is we are still up to our eyes in Hiss. Not to mention the months of repairs it's gonna take just to get this place up and running again. But is it doable? Of course it is. You just might need to tell some rangers to grab a wrench once they're done hunting Hiss. Did anyone ever mention to you that Darling was using the slide projector? Well, Salvador never did, but I doubt he even knew. Look, I'm well aware that it's our job to study and contain the things that we don't understand, but some of the things that Darling did were way outside of our mission statement. Look, these things are not toys, and acting like they are is only ever going to end one way. At least Pope seems to understand that. Well, it's secure now. No one can reach it without my say-so. Quoi, y a de l'écho? Thank Christ for that. Quand elle parle, y a de l'écho. Marshall's been missing for a while now. Any ideas where she could be? The last time I saw her was in maintenance when I was leading the Rangers out of the Atlas. Yeah, I told her it wasn't safe, but she said she had to go check on something. Did you ask where she was going? Whew, Marshall is not the kind of person you question. Kind of intimidating, you know? Hey. But she was by herself, if that helps at all. Not really, but thanks. Hopefully she turns up. I'll see you later. You know where I'll be. Later Gator. Capacited. J'ai 6 points. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La saisie, c'est quand même assez utile. Je peux saisir une personne de plus. Let's go. Je peux voler plus longtemps. Let's go. Les tenues. Ah, mais la tenue de directrice, c'est non quoi. C'est juste non, hein. Ah, beaucoup mieux.
found a couple of relevant files in Dr. Darling's office. I'd have to dig through the archives for the rest, but I'm not going through the Panopticon. Elle est une stagiaire maintenant. Not with the altered items loose. Then go see if any ranger squads are available for a file retrieval. Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all eradicated. If any hiss ever got out, that would be the end of everything. Well, eliminating them all will take time. Look, I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can help with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the hiss out for good. That's... really? I mean, yes, I can certainly... yes! Yes, I accept. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. I'm honored, Jesse, really. Thank you. C'est tout? Ça... Hein? Merci. Bah, bisous. Bon bah maintenant c'est moi la chef. Ok, bon bah... J'espère que t'es contente quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quoi? Non mais... ah bah oui c'est vrai, j'ai récupéré un truc. Oh! Pourquoi c'est... Pourquoi? La contamination du Is se manifeste de façon très différente. Certains autres demeurent majoritairement inchangés, alors que d'autres paraissent à peine humains. Qu'est-ce qui détermine ce degré d'altération? Est-ce que la durée de la corruption est-ce plus simplement un processus évolutif, chaque entité représentant un stade de croissance révélant une progression linéaire aboutissant à quoi au juste? De plus, les entités du Is possèdent diverses capacités paranaturelles. Comment est-ce possible? Les obtiennent-elles en contaminant les objets de pouvoir? Ont-ils contaminé un seul par utilitaire hautement talentueux? Ont-ils réparti leur accès aux capacités paranaturelles d'un réseau d'hommes contaminés par le Is? En tant que chercheuse, je suis gêné par la quantité de questions auxquelles répondre. Il est difficile de déterminer par quoi commencer. Quelle est la clé de voûte? Comment le tuer? Ça semble être un bon point de départ. Le dossier? Tiens, un rapport complet. Oui, c'est l'émission. Je vais faire ça. Examiner l'ascenseur de secteur. Quoi? Investigation sector, huh? Wake, c'est Alan Wake? You should check this out. This is Lynn Salvador, head of Bureau Security. I'm making a... Ah bah tiens, un nouveau truc. C'est ça? Darkness engulfed the elevator. Something there. A presence. Jesse Faden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star. Ah, alors pas, il te ressemble. Previous director. Il te ressemble, le gars. Regarde. C'est what? As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. C'est Avorpal en train d'écrire son livre. It was changing things around her, subtle, trying to make her act. Faden didn't like that. Her guide felt it too. Polaris didn't flare up in defense as with the hiss. So it wasn't all bad. Not a hostile transmission. It was powerful, but it was coming from far away and made weak because of the distance. It was a distress call. Faden sensed a drowning man.
A man desperate to escape. She sensed something else, too. A hunger in the dark. Not unlike the hostile resonance. Waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. It was this, more than the man's despair, that made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation sector. Faden pressed the button. The elevator door slid shut with practiced bravado. C'est vraiment chelou ce jeu quand même. Et donc elle vit secteur des enquêtes. Ok. Qu'elle n'avait pas vu jusque là, évidemment. Allez hop, on va s'arrêter là. Bam, des bisous YouTube, à la prochaine. Et bah, à la prochaine, voilà, on commencera ce premier DLC. Et on verra ce que ça donne. Hein. A priori, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir Alan Wake. C'est chelou. À la prochaine, des bisous.